Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous continuons à jouer avec les poupées LOL et en particulier les familles des poupées LOL. Et aujourd'hui, c'est la famille de bonbons, en compagnie de la famille de la comtesse. Bonjour les amis, moi c'est Bonbon, je viens de la série 2 et aujourd'hui je vais vous présenter ma famille. Mon papa, ma maman et même ma petite sœur. Et aujourd'hui, on va jouer avec un nouveau jeu des poupées LOL, la Fashion Factory. C'est sympa de nous avoir invités, ma famille et moi. J'ai hâte de voir ce nouveau jeu. Tu vas voir, il est super. Allez, on commence tout de suite. Bon, maintenant, je vous présente mes parents. Et les miens, vous les avez déjà rencontrés. Cliquez sur le i si vous n'avez pas encore vu la vidéo. Voilà, lui, c'est mon papa et il est très gentil. Oui, ça c'est vrai. Tu es prête à découvrir le nouveau jeu? Oui, je suis prête, j'ai hâte. Alors, c'est parti. Et ta petite sœur pourra même jouer avec nous. Et là, je vous présente ma maman. Bonjour à tous. Nous sommes la famille LOL Bonbon et nous adorons le bleu, le rose et le jaune, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et nous aimons beaucoup la mode, et ça tombe bien, car nous avons un jeu très spécial. Oui, super! Il faut bien connaître les poupées LOL pour pouvoir jouer à ce jeu. Mais on les connaît, nous! N'est-ce pas, maman? Oui, on les connaît toutes. Il faut savoir leurs accessoires et leurs vêtements. Moi, je les connais! Très bien, Bonbon. On a assez parlé. Sans plus attendre, Madame Récré, est-ce que vous voulez bien ouvrir la boîte et nous la montrer? Oui, ouvrez-la, s'il vous plaît. D'accord, je vais tout de suite l'ouvrir. Ah, attendez, Madame Récré, je vais vous aider. D'accord. Prête, Bonbon? Oui, prête. Alors, c'est parti. Je vais vous expliquer toutes les règles du jeu. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très dur. D'accord, maman. Assez parlé, on ouvre la boîte maintenant. Voilà, nous pouvons commencer à jouer. Youpi! Ouais! Mais maman, je sais même pas comment on joue à ce jeu. Je comprends pas ce qu'il faut faire là. Comment on joue? Ne t'inquiète pas, je vais tout de suite l'expliquer. C'est très facile. Derrière moi, il y a un tapis roulant. Et en fait, il faut mettre des piles pour que ça fonctionne. Et je vais vous expliquer tout de suite. On doit mettre des boules sur le tapis roulant. Et on doit mettre des images qui correspondent aux poupées. Et le but est de compléter l'image avant que la boule arrive à la fin du tapis. Je vais vous montrer. Voilà, il suffit de prendre une boule de cette couleur et de mettre dessus des images qui correspondent à nos poupées. Est-ce que nous pouvons voir les images, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais vous les montrer tout de suite. Il y a plusieurs poupées LOL. Regardez. Donc là, par exemple, je prends cette carte. Ah, et comme par hasard, c'est Bonbon. Alors ça, c'est une super coïncidence. Génial. Maintenant, vous allez chercher l'image de Bonbon et ses accessoires. Et l'objectif est de mettre tout ça sur la boule avant qu'elle n'arrive à la fin du tapis roulant. C'est pas facile. Donc, nous avons notre boule ici. On va la mettre sur le tapis. Et on a les cartes ici. Donc voici Bonbon. La tortue, c'est lent et le lièvre, c'est rapide. On a une belle petite usine. Je crois qu'on va commencer par la première vitesse. Donc même quand c'est lent, c'est un peu rapide quand même. On va vite mettre ses accessoires et ses vêtements. Et voilà,
on a réussi à le faire avant qu'elle n'arrive à la fin du tapis. Et chaque poupée a trois cartes. Deux transparentes et une avec l'image de la poupée. Et il faut mélanger toutes ces cartes et on joue à deux à ce jeu. Et c'est la première qui a pu faire le plus de poupées qui gagne la partie. Donc là, nous avons réussi à faire la première, on la met sur sa carte. Pour la prochaine boule, on prend la pince et on la met sur le tapis. Mais ce jeu se joue à deux, n'est-ce pas? J'ai l'impression. Oui, effectivement, vous avez raison. À deux. Et voici la plupart des poupées qu'on a. Il y a même Punk Boy. Pas mal, dis donc, ce jeu. Mais j'ai pas envie d'y jouer maintenant. T'es sûre? Ouais, j'en suis sûre. Madame Récré, vous nous montrez une autre partie peut-être? Oui, s'il vous plaît, Madame Récré. Montrez-nous une autre partie, comment on joue. Bah écoutez, si vous insistez. Alors, on a cette carte-là qui représente Dawn. On va appuyer sur le bouton et on va vite chercher sa carte. La voici. Et on se dépêche vite de mettre ses vêtements et ses accessoires avant d'arriver à la fin du tapis. Mais ce n'est pas très évident car c'est assez rapide. Et la voilà. Et voici les deux poupées qu'on a formées. Je vais maintenant vous montrer toutes les cartes qu'on peut faire. Ah oui, je veux bien voir. Tout de suite, bonbon. Maintenant qu'on a vu le jeu, et si on ouvrait quelques Fashion Crush? Excellente idée. C'est parti. Et maintenant, Madame Récré, il est temps de montrer comment vous avez fait ma famille. En DIY, mais pas devant la caméra. Oui, donc voici la poupée que j'ai choisie. Je lui ai fait des couleurs aux cheveux, rose, jaune et bleu. J'ai également peint sa robe dans les mêmes tons et des collants de deux couleurs différentes avec des chaussures jaunes. C'est une très très belle poupée Ever After High. Ses lunettes sont blanches car j'ai pris celles du lapin de bonbon. Mais elle a également son petit sac et sa bouteille. Et je trouve que celle-ci est vraiment très très belle. Dites-moi laquelle vous préférez, celle-là ou la comtesse? Cliquez sur le i et dites-le moi, elles sont toutes les deux très belles. Pour ce qui est du papa, j'ai également utilisé les mêmes couleurs, donc vous voyez là des chaussures jaunes, pantalons rose et bleu, des sourcils roses et une veste rose et bleu avec des boutons jaunes. Il a aussi des yeux de la même couleur que ceux de bonbon. Par contre, ses sourcils sont un peu plus clairs. Et là, nous avons vraiment une belle petite famille. La maman, le papa et la petite sœur. Mettez un like si vous avez bien aimé cette vidéo et revenez vite. Oui, revenez vite, on s'est bien amusé aujourd'hui. Ciao! Elle part toujours en coup de vent.